Nous allons bientôt commencer. Donc, Janice, il y a uniquement la personne qui parle, dont le micro est ouvert, tous les autres on ferme. Pas de problème. Donc, je vais commencer. Et tu laisses Yolande toujours, tu laisses toujours Yolande ouverte. Voilà. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens en attente? Like. Non, c'est bon? C'est bon. Alors, on va essayer de tenir notre horaire. Alors, chers amis, bonsoir. Je suis vraiment heureuse de voir tous ces visages, certains et ces noms, certains sont connus. Vraiment, je ne vais pas saluer chaque personne, mais ça me fait plaisir de vous voir ce soir avec nous. Donc, nous allons ce soir, avec nos quatre panélistes et notre interprète musicale, Férouz. Donc, cette soirée est sous le titre « Le corps des femmes dans les communautés juives, musulmanes et berbères, sexualité, pudeur et violence conjugale ». Et je sais par des retours que j'ai eus, des courriels ou autres, que c'est un sujet qui intéresse, même si tout le monde ne peut pas se connecter que ce soir. Je précise d'ailleurs que tout ceci est enregistré et sera visible plus tard sur notre site alephétudesjuives.ca. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un programme interculturel soutenu par Patrimoine Canada, soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Et plus spécifiquement, s'insère dans ce dialogue que nous avons initié il y a déjà quelques années à la communauté séfarade unifiée du Québec, donc à la CSUQ, dont je fais partie. Nous avons initié ce dialogue plus spécifiquement entre les communautés juives, musulmanes, arabes et berbères, parce qu'il nous semble important de montrer que ces passerelles et ce dialogue existent et que s'il existe ici, il peut aussi se déployer ailleurs. Je voudrais remercier d'abord toutes nos participantes, dont je vais dire le nom, mais que notre amie Yolande Hamzalag présentera plus longuement. Donc, justement, Yolande, qui est notre modératrice, est coprésidente du comité francophone de la bibliothèque publique juive. Je vais la présenter puisqu'elle présentera les autres. Elle est engagée dans le dialogue entre les cultures. Elle préside la fondation Sami Elma Grebi, qu'elle et sa famille ont créée pour perpétuer l'esprit de partage que véhicule l'œuvre de son défunt père, un chanteur et auteur-compositeur juif marocain de renommée mondiale. Yolande est traductrice de profession et interprète de musique andalouse. Et je la remercie très chaleureusement d'accepter de modérer cette soirée. Donc, je continue dans les remerciements des participantes. Rachida Azdouz, Maître Nada Boumefta, pour qui c'est une première qui nous rejoint dans ce programme. Et donc, je la salue ici. Merci de me recevoir. Et le professeur Yolande Cohen de l'UQAM. Et évidemment, donc, pour la partie musicale, Férouz Oujida, qui a tout de suite accepté quand je lui ai proposé d'être des nôtres. Nos partenaires, ce sont la Bibliothèque publique juive, je l'ai dit, ainsi que Dar al-Maghrib, le Centre culturel marocain à Montréal. Et nous sommes en lien avec ce centre grâce au travail et à l'assiduité de notre bénévole, Wassila Tazi, que je remercie ici. Je ne la vois pas, mais je pense qu'elle me voilà. Elle m'entend. Bien sûr, Patrimoine Canada, et je pense que notre contact et interlocuteur Samir Ami doit être là. Je voudrais aussi remercier Janice Silverstein de la CSUQ qui va assurer toute la partie technique. Enfin, je voudrais vous donner une précision aussi technique. Lorsque les panels vont se succéder, la période de questions est à la fin, comme vous pouvez le voir dans l'affiche. Pour poser une question, vous avez deux possibilités, soit de lever la main, je laisserai à Janice le soin de vous dire comment, soit d'écrire une question au chat. Peut-être tu veux le dire, Janice, maintenant, comment est-ce qu'on fait, parce que j'ai encore une chose à rajouter. Pas de problème. Il y a
un bouton. Si vous cliquez sur participants, je crois qu'il y en a la plupart d'entre vous. J'en ai vu quelques-uns qui ont déjà levé la main. Donc, je crois qu'il y en a plusieurs qui savent déjà comment lever la main virtuellement, enfin, physiquement lever la main. C'est une petite main bleue qui apparaît sur mon écran dans l'ordre auquel vous levez la main. Ça va être dans l'ordre dans lequel nous allons pouvoir procéder avec les questions et les commentaires à la fin de la conférence. Ok. Avant de céder la parole à Raphaël Assor, qui est mon collègue, et vraiment nous travaillons très étroitement pour toute la mise en œuvre de cette programmation, dont le prochain événement sera en septembre, un spectacle virtuel avec le texte d'une femme juive et d'une femme arabe, qui se feront écho. Nous avons malheureusement appris le décès d'une membre de notre communauté, Madame Annie Goldman, cet après-midi, et je pense que Yolande Cohen, notre panéliste, voudrait dire quelques mots à ce sujet. Merci Sonia, je voulais juste témoigner de l'importance de cette figure tout à fait exceptionnelle, Annie Taïeb Goldman. Elle vient de s'éteindre à Paris aujourd'hui, enfin hier, et ça me rend très triste parce que c'est une femme remarquable qui a beaucoup travaillé à l'avancement des femmes juives, qui a fait ce livre formidable qui s'appelle « Les filles de Mardoché » et qui est partie prenante de notre communauté puisqu'elle habitait pendant un certain temps à Montréal. Elle partageait sa vie entre Montréal et Paris. Et donc, je voulais simplement que dans ce panel, on puisse lui rendre hommage. Alors, je te remercie, Sonia, de nous avoir donné cette occasion de le faire. Merci, Yolande. Bien sûr, nous présentons nos condoléances à sa famille, et notamment à son époux, Naïm Katan. Alors, Raphaël, tu voudrais peut-être dire quelques mots avant que nous cédions la parole à l'intermède musical. Bon, alors, tu veux rajouter quelques mots, Raphaël? Oui, je ne chante pas aussi bien que l'intermède musical. Mais enfin, moi, je voudrais remercier les fonctionnaires du patrimoine canadien qu'on côtoie depuis plusieurs années, parce que ce programme arrive après pratiquement 5 ans d'existence et des progrès tangibles, des amitiés, des liens que nous avons tissés entre nos deux communautés. Et ce soir, il s'agit essentiellement d'un projet qui est porté par 3 groupes, la communauté séfarade unifiée du Québec, le Centre culturel marocain à Montréal et la Bibliothèque publique juive. Ces 3 organismes ont travaillé main dans la main sous la direction d'un chef d'orchestre qui s'appelle Sonia Sarah Lipsic. Elle n'a pas de baguette, mais pratiquement oui. Et elle a su trouver pour chaque thème la conférencière idéale. Et je cède la parole immédiatement à ces femmes qui ont un témoignage important à nous livrer ce soir. Merci Raphaël. Peut-être Yolande, tu vas dire quelques mots sur Férouz et les chants qu'elle va interpréter avant que Férouz le fasse. Oui, je pourrais dire un petit mot. Merci. Férouz Oujida s'est produit à plusieurs reprises dans des festivals séfarades. Et moi, je trouve qu'elle a une qualité exceptionnelle. Elle est sur scène un peu comme une madone, comme la Joconde. Elle est naturelle. Elle n'est pas intimidée par le public, elle est authentique, ce qui lui permet de donner le maximum de son art. Ensuite, c'est une soprano. Alors, si vous la mettez à côté d'autres chanteuses, elle prend son envol. Alors, je crois qu'on va avoir un grand plaisir. Merci Raphaël. Yolande? Bien, bonsoir à toutes et tous. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que le comité culturel francophone de la Bibliothèque publique juive est fière de s'associer au Centre Aleph pour cet événement ce soir. Alors, j'aurai le privilège de présenter les intervenants du débat, mais auparavant, c'est un grand plaisir de vous présenter une chanteuse de grand talent et une amie, Férouz Oujida, qui va agrémenter notre réflexion
de sa magnifique voix. Alors, surnommée la diva du désert et couronnée de nombreuses distinctions, Ferouzou Djida a un parcours digne d'un conte. Alors, interprète universelle de formation classique, elle est fière de son héritage et se distingue par ses adaptations de chants traditionnels des terroirs algériens, maghrébins et arabes. Elle mêle ainsi harmonieusement les tonalités de l'Orient et de l'Occident. Alors, pour nous délier les neurones avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par un intermède musical avec Ferouz. Elle nous propose une magnifique berceuse berbère, Sendou. À toi, ma chère Ferouz. Bonsoir. Très heureuse de faire partie de cet événement et je vous remercie de m'avoir invitée. Je vais commencer par le premier chant qui est un chant berbère, une belle berceuse du grand Idir qui vient de nous quitter. Cette berceuse est très chère à mon cœur, car c'est un grand hommage à toutes les mères et toutes les femmes dans le monde. Petit, il regardait sa mère battre le lait. Elle rythmait des soupirs, des sourires. Parfois, elle versait même des larmes. Ayant grandi, il s'est rendu compte qu'elle ne faisait que se confier à cet objet inerte, car elle n'avait aucun interlocuteur valable. Le son, il sort de la voix, il s'entend pas bien. Il sort de l'ordinateur. Bravo Ferouz et un grand, grand merci. C'était magnifique. Bon, alors passons maintenant aux choses sérieuses. Le premier volet de notre réflexion porte sur le rapport au corps et à la sexualité des femmes dans les cultures juives et musulmanes.
Rachida Azdouz et Sonia Sarah Lipsic vont nous livrer leur point de vue sur ce sujet. Je vous les présente brièvement. Rachida Azdouz est psychologue, essayiste et chercheuse affiliée au laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal. Actuellement conseillère stratégique principale et vice-rectorat aux affaires internationales à l'UDM, elle a été membre du Conseil supérieur de l'éducation et siège au Conseil supérieur de la langue française depuis 2013. On connaît Rachida, on la connaît bien, elle est régulièrement invitée dans les médias à titre d'analyste et de commentatrice de l'actualité. Alors je ne citerai pas tous ses exploits, mais en tout cas, j'aimerais simplement mentionner quelques-unes de ses publications, notamment « Le vivre ensemble n'est pas un rince-bouche » qu'elle a publié en 2018 et « Pachikan dans ma cabane » en 2019. Elle a également publié elle a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs, dont « L'accommodement raisonnable » en 2007 et « La commission... » On entend très mal. Ah. Et « La commission Télab » aïe, aïe, aïe. 10 ans plus tard, en 2018. Alors, pourquoi entend-on très mal? Janice, est-ce que tu peux mettre tout le monde en mute, à part Rachida, qui va bientôt prendre la parole, et Yolande, s'il te plaît? Y compris Raphaël, le mettre en... Oui, oui, sans tous en mute. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas? Est-ce que c'est un problème de transmission ou de son de mon moi, côté? Je t'entends, en tout cas, très bien. D'accord. Bon, voilà, alors je vous ai présenté Rachida. Je vous présente maintenant ma chère Sonia Sarah Lipsic, qui est docteure en sociologie, auteure, chercheure, dramaturge. Elle, en fait, Sonia Sarah a plusieurs cordes à son arc, elle est extrêmement polyvalente, mais surtout, ce qui domine, c'est sa passion pour les études juives. Donc, elle dirige le Centre d'études juives contemporaines Aleph de la communauté séfarade unifiée du Québec, qu'elle a fondée en 2009, un grand mérite. Elle est également rédactrice en chef de la revue LVS et chargée de cours en études juives à l'Université de Montréal. Elle a fondé parallèlement les cercles d'études juives Aura, connaissance du judaïsme, et elle est aussi l'auteur du feuilleton Yentel est de retour, qui est actuellement diffusé en ligne sur le site de la revue Ténoua, dont elle prépare une production virtuelle mise en scène par Ariel Ifergan et la compagnie Pas de Panique sur Zoom en septembre 2020. Merci, notamment. Merci beaucoup. Donc, à vous deux, nos chères expertes, nous avons hâte de vous entendre. Donc, pour ce panel, le rapport au corps et à la sexualité des femmes dans les cultures juives et musulmanes, le premier panel. Oui. Rachida, c'est à toi. Elle n'est pas... Elle était avec nous tout à l'heure. Elle est là. Elle est là, mais elle est sur mute. Rachida, il faut que tu enlèves. Janice, elle enlève son mute. Tu peux rien faire, toi? Non. Rachida, avec nous. Il faut décliquer unmute. Unmute. J'en profite pour remercier Férouz. C'était magnifique ce que tu nous as présenté. Non? Est-ce que vous m'entendez? Oui, non, Rachida, on t'entend. Oui. Vous m'entendez, parfait. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je répète, je suis désolée pour ce petit... D'abord, je vous remercie. Je remercie les amis de m'avoir invitée encore une fois. Merci Sonia, merci Raphaël, merci Hollande d'avoir accepté de modérer ce panel. Alors, je dois vous avouer que, comme je le fais souvent, quand on m'a invitée à participer à ce panel, j'ai fait un petit exercice avant. J'ai posé la question à des gens de mon entourage, de confession chrétienne, juive et musulmane. Et je leur ai dit, comment la sexualité des femmes et le corps des femmes sont perçus dans vos traditions religieuses respectives?
Et la réponse a été unanime. Les textes sacrés sont clairs. Les femmes ont non seulement droit au plaisir, mais les hommes ont le devoir de le leur procurer. Alors, j'ai failli appeler mon amie Sonia et lui dire « La cause est entendue. On arrête là. Pas besoin de faire cette table ronde. Les femmes issues des trois monothéismes sont comblées, épanouies. Les textes sacrés leur assurent le droit au plaisir. Les religions ne sont donc pas misogynes. Alors, si les religions ne sont pas misogynes, alors ce seraient donc les femmes qui seraient ingrates et insatiables, ou c'est davantage une question de tradition et d'interprétation des textes que de religion comme telle. Alors, j'ai opté pour la deuxième option et je suis d'autant plus soulagée qu'on m'a demandé non pas de commenter le Coran et les hadiths, mais les livres de Leila Slimani et la bande dessinée Shuma de Zainab Fassiri. Donc, je vais parler de sexualité, du corps des femmes, dans la tradition et la culture marocaine. J'oserais dire maghrébine, mais je préfère m'en tenir à la culture marocaine puisque les deux auteurs que je suis appelée à commenter ce soir, les deux ouvrages ont été rédigés par des maghrébines d'origine marocaine. Je suis donc davantage sur le terrain sociologique que théologique. Je vais rapidement parler des deux livres. J'ai compris que c'était un déclencheur des deux livres de Leila Slimani et de Zainab Fassiri pour aller ensuite plus largement sur la représentation du corps des femmes et de la sexualité des femmes dans la culture marocaine. Donc, on a d'un côté Leila Slimani qui a écrit un roman graphique, Parole d'honneur, et un essai, Sexe et mensonges, sur le corps et la sexualité au Maroc. Elle a interviewé une quinzaine de personnes, dont des hommes, de toute classe sociale. C'est très très important, de toute classe sociale et de toute tendance, de toute obédience. Et elle a dégagé de son essai un roman graphique qui reproduit à peu près les entrevues, mais sous forme de roman graphique. De l'autre côté, on a, donc tout le monde connaît Leila Slimani, prix Goncourt, journaliste, auteur, elle vit en France, elle est de culture française, elle le dit elle-même, elle ne parle pas très bien l'arabe. Et on a Zainab Fassiri, qui est une jeune, donc Leila Slimani est dans la fin de trentaine, début quarantaine, et on a Zainab Fassiri, qui est une jeune, dans la vingtaine, qui a écrit une bande dessinée, Shuma. Et Shuma, qui veut dire, en fait, qui renvoie à tout ce qui est gênant, impudique, impudique, en fait. Zainab Fassiri vit au Maroc. Donc ça, c'est important aussi. Et de cette bande dessinée, Shuma, elle a sorti en fait des espèces de produits dérivés, un site web, des événements, etc. Alors, je vais comparer les deux approches, les deux démarches. Toutes les deux se disent féministes. Mais Leila Slimani, dans son essai, on voit clairement une intention politique. Elle dénonce. Alors que du côté de la jeune Zainab Fassiri, sa bande dessinée a plutôt une intention pédagogique et je dirais même thérapeutique. Elle part d'elle-même, elle part de son propre besoin de s'approprier son corps, d'apprivoiser ce désir qui l'habite. Et elle dit d'ailleurs que sa réflexion sur son corps, sur la sexualité et ce besoin impérieux de s'affranchir du poids d'une famille très traditionnelle. Elle vient d'une famille très conservatrice de Fès, au Maroc. Donc, il y a quelque chose de pédagogique, mais aussi de thérapeutique. Donc, elle part de son propre besoin de se libérer du poids de la tradition. Et elle cherche aussi à faire quand même un peu d'éducation populaire avec ses bandes dessinées et ses événements publics. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose de très naïf, de très primaire, de très brut, qui s'est transformé tranquillement en démarche plus consciente, plus rationnelle et un peu plus pédagogique, sinon carrément politique.
Leïla Slimani est dans la démonstration. Elle démontre, elle mène des entrevues dans différentes catégories sociales et elle essaie de faire la démonstration qu'il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème dans tout ce qui a trait à la sexualité dans la tradition et la société marocaine et des retombées sur les femmes en particulier. Vous m'entendez toujours? Je sais que vous ne me voyez plus, mais est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. J'ai un petit problème avec mon Zoom, mais au moins j'ai un mécanisme pour être entendue. Alors que Leïla Slimani est dans la démonstration, Zineb Safiri, elle montre. Elle se met en scène, elle a son avatar. Son avatar qu'elle dessine et qu'elle illustre, qu'elle montre nue, donc c'est très incarné, alors que Leïla Slimani est beaucoup plus dans une démarche plus intellectuelle. Leïla Slimani s'adresse aux Marocains qui parlent français, puisqu'elle... Ah. On a perdu le son, là. Le son... Vous avez perdu le son? Ah, ça y est, il est revenu. Ok, parce que je ne contrôle pas le son avec le système que j'ai, donc si vous perdez le son, je vous demanderai de l'activer de chez vous. Donc, la jeune Safiri s'adresse aux Marocains, et quand je dis qu'elle est dans une démarche d'éducation populaire, ça va jusqu'à la façon de nommer les mots pour le dire. Elle découvre, et ça c'est vraiment une réalité quand on parle de sexualité, de sexe, et plus on essaie d'être explicite dans la description des parties génitales, que ce soit dans un sens strictement biologique ou dans un sens un peu plus affectueux, une grande difficulté à trouver des mots en marocain, le dialecte marocain, la darija. On est obligé d'emprunter soit au français, soit à l'arabe classique, ce qui n'est pas anodin. Donc Zineb Safiri est en train de chercher à trouver les mots et sinon à les inventer, à inventer des mots en darija qui ne soient pas péjoratifs, qui ne soient pas vulgaires, qui ne soient pas violents pour décrire, donner des petits noms finalement à des parties aux choses du sexe en fait et de la sexualité. Les deux filles ne viennent pas du même horizon. Zineb est une ingénieure et il y a d'ailleurs quelque chose chez elle de très chirurgical, de très carré, de très précis quand elle parle de sexualité, même si c'est en même temps quelque chose de très incarné parce qu'elle part d'elle. Elle raconte que c'est au gré de ses voyages qu'elle a pris conscience qu'elle était complètement dépossédée de son corps et qu'elle cherchait à se le réapproprier, à telle enseigne que très jeune, elle se faisait une comment dirais-je, elle se faisait une gloire d'être un garçon manqué. Mais malgré leurs différences, alors que Leïla Slimani est une femme de lettres, donc c'est une journaliste, donc elle est très à l'aise et son roman l'ogre, je viens d'oublier c'était quoi déjà le truc de l'ogre là, non c'est l'ogre, dans le jardin de l'ogre. Elle raconte l'histoire, c'est une fiction d'une femme qui est complètement addict, qui est nymphomane, qui est complètement addict à la sexualité. Donc elle est déjà, elle a déjà abordé ces questions-là, mais avec une distance, avec la distance de la fiction. Mais quand même, le sujet est tellement délicat et sensible que toutes les deux prennent quand même une distance. Leïla Slimani, malgré toute son aisance à parler de sexualité, elle a cette distance de l'entrevue, du journaliste qui interroge, qui fait parler les autres. Elle fait parler des prostituées, elle fait parler des femmes mariées, des femmes de milieu bourgeois, de milieu modeste. Donc la distance elle la prend comme ça, alors que Zineb, même si elle se met elle-même, elle met son avatar en scène en se montrant nue, il y a quand même la distance de la bande dessinée qui rend le propos peut-être moins choquant pour le public qui est visé, et surtout pour Zineb, elle vise carrément le public marocain et la jeunesse marocaine. Donc quand on
en partant de là, de ces deux essais, il y en a un troisième que je vous recommande vivement, qui est la thèse de doctorat de la journaliste Sana Al-Aji sur la sexualité hors mariage, la sexualité finalement avant le mariage au Maroc. C'est très très documenté, c'est excellent. Donc, partant de là, la sexualité, le corps des femmes, je vais rapidement dire comment c'est abordé dans le discours et les représentations. Le discours et les représentations, et ensuite dans la pratique. Je ne vais pas vous parler des positions, je parle de la pratique de la sexualité et dans les pratiques sociétales, en fait. Dans le discours et les représentations, il est clair qu'on peut sortir le religieux de la chose, mais la chose est étroitement liée au religieux. Donc, les discours et les représentations sur le corps, sur la sexualité, sont influencés par un cadre normatif, et le cadre normatif, c'est principalement la loi religieuse, et les lois civiles, bien entendu. La loi religieuse qui balise la sexualité, qui balise les pratiques permises à l'intérieur du cadre du mariage et celles qui ne le sont pas, par exemple la sodomie, qui peut même être une bonne raison pour une femme de demander le divorce. C'est un exemple, c'est très balisé par les textes religieux. Les lois civiles, donc l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe, les relations sexuelles hors mariage. On a encore eu récemment des personnes, l'interdiction d'IVG, donc une personne qui a été arrêtée, une jeune journaliste, mais qui a été graciée pour avoir pratiqué une intervention volontaire de grossesse, doublée d'une accusation de relations sexuelles hors mariage. Donc, il y a quand même un cadre normatif qui balise tout ça, qui balise les représentations et les discours sur la sexualité et le corps. Il y a les canaux d'éducation sexuelle formelle, donc à l'école, et les réseaux informels, comme les cours d'alphabétisation, d'éducation populaire. Jusqu'à tout récemment, ça restait très, d'abord axé beaucoup sur la prévention et la moralisation, est très très biologique. La dimension psychologique et affective de la sexualité était très peu abordée. Depuis peu, les réseaux sociaux ont remplacé la télévision et la radio, qui étaient les lieux d'éducation informelle à la sexualité, et on voit apparaître aujourd'hui des sexologues, hommes et femmes, qui répondent aux questions du public, qui tiennent un blog, et c'est extrêmement précis, très 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 précis, et c'est beaucoup moins, ce n'est plus accroché aux religieux, mais abordé dans une perspective en fait laïque et sexo-psychologique. Donc, ce ne sont plus que les hommes de foi qui répondent aux questions la sexualité. Ce qui était d'ailleurs très amusant, parce que dans je sais que c'est pareil en Algérie, le vendredi, dans les télévisions publiques, on avait toujours cet homme de foi qui venait répondre aux questions du public sur toutes sortes de choses en lien avec la vie sociale, donc l'héritage, les conflits, etc. Et c'était extrêmement étonnant de voir le nombre de questions qui portaient sur la sexualité. Et des fois, des questions très, 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 très précises. Donc, il y a les canaux, les discours et les représentations sont influencés par le cadre normatif, religieux et loi civile, l'éducation, qui est un autre cadre, mais aussi par les canaux de socialisation. Alors, donc, comment se font l'éveil au corps et à la conscientisation au corps, au désir et à la sexualité? C'est le mot qui revient le plus quand on parle des représentations et du discours sur, et même des canaux de socialisation. C'est le mot schizophrénie. C'est-à-dire que le sexe, la sexualité, le corps sont partout. Ils sont dans les danses, ils sont dans les mariages, on danse, on bouge beaucoup, les danses sont très lascives. La sexualité est partout, la prostitution est présente, elle est visible, la pornographie est à portée de main, la chirurgie plastique gagne du terrain. Si on veut être plus beau et être mieux dans son corps, c'est
pas nécessairement pour l'enfermer dans un placard, ce corps. C'est pour en faire quelque chose. C'est d'abord pour se plaire à soi-même, mais c'est aussi pour partager avec quelqu'un. Mais ce corps qui est partout, il est dans les chansons populaires grivoises. Donc la sexualité, le corps sont partout, mais en même temps, ils sont nulle part. Parce qu'ils n'existent pas dans, ils s'inscrivent pas dans le discours, dans le vocabulaire courant, sinon dans leur dimension péjorative péjorative ou dans l'euphémisme et la métaphore. Et surtout, le mot schizophrénie revient souvent parce qu'on est beaucoup, et c'est très dénoncé autant dans le livre de Leila Slimani que dans le livre de Zeynep Fassery, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on dit et on ne dit pas ce qu'on fait. Cette socialisation sexuelle vient de la mère. Je ne veux pas accabler les femmes, mais il reste que dans la tradition arabo-musulmane, la conscientisation et l'éveil au corps se font beaucoup par la mère. Et la mère est elle-même prisonnière de cette schizophrénie. Elle transmet ce qu'elle connaît, ce qu'elle sait. Elle sait être acceptable dans la société dans laquelle elle vit, donc elle veut protéger et son fils et sa fille et les garder dans le cadre. Donc elle est dans la schizophrénie puisqu'elle dit à sa fille le contraire de ce qu'elle dit à son fils. Donc elle met sa fille en garde contre le garçon qui va la piéger avec des mots doux et des serments d'amour, hein, des mots d'amour et des serments de mariage, etc., pour lui prendre sa virginité et l'abandonner. Mais elle met son fils en garde contre la fille qui va le piéger avec une grossesse non désirée et le pousser à la marier. Je parle bien entendu des femmes traditionnelles et même des femmes qui ne le sont pas. C'est très étonnant de voir des femmes qui se perçoivent comme des femmes très modernes, très égalitaires dans leur éducation, l'éducation donnée aux filles et aux garçons. Mais ce discours du piège donc on a toujours, même si je déteste cette figure parce que je la trouve galvaudée, mais je trouve qu'on est dans l'orientalisme loukoum, mais il reste quand même que la figure de Sherazade qui est obligée de ruser pour ne pas coucher avec Shahrayar, parce que coucher avec lui, c'est se perdre puisqu'il va l'assassiner le lendemain. Donc elle doit faire durer le plaisir en lui racontant des histoires et en utilisant sa ruse. L'image de Sherazade est quand même là, d'accord, même si on s'en défend. Je voulais juste dire qu'il nous reste à peu près 2 minutes, donc c'est... Parfait. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème, je finis. Mais on va approfondir les questions. D'accord. Alors, bien entendu, donc, les discours, les représentations, la socialisation sexuelle, l'accent est encore mis sur la prévention et la moralisation. Dans le vécu, les pratiques, bien entendu, la socialisation à la sexualité est encore très genrée. La parentalité hors mariage est encore, bien entendu, vaut une mise au banc de la société. Mais, je finirai avec ça, on assiste quand même à un mouvement de fond, et c'est ce que dit et c'est ce que révèlent les deux ouvrages que j'étais appelée à lire, un mouvement de fond, et ce n'est pas que les deux ouvrages, il y a vraiment un mouvement avec les réseaux sociaux, mais c'est beaucoup plus profond que ça, une espèce de révolution sexuelle tranquille et pas frontale, qui est en effervescence, donc une révolution tranquille qui est rendu presque nécessaire par les transformations sociales. Les gens se marient de plus en plus tard. Il devient de plus en plus difficile de contrôler la sexualité hors mariage quand les gens, hommes comme femmes, se marient plus tard. C'était beaucoup plus facile quand on mariait les filles à 15 ans et les garçons à 17 ans de contrôler leur sexualité. Aujourd'hui, donc, cette révolution sexuelle est rendue impérative par les transformations sociales, mais aussi, bien entendu, par l'éclatement, par l'accès à une information avec les réseaux sociaux. Il y a d'autres façons de vivre le corps et la sexualité, et d'autres repères et d'autres modèles. C'est une révolution. Les minorités sexuelles qui commencent à réclamer, non plus seulement à être tolérées, mais à lever les verrous juridiques,
c'est-à-dire la loi qui les criminalise. Idem pour la sexualité hors mariage. Donc cette révolution qui est en marche, elle accentue quand même la fracture entre les conservateurs et les progressistes, mais elle est presque irrémédiable. On ne peut pas revenir en arrière parce qu'elle est très, très visible, surtout quand l'art et la culture s'en mêlent. Le cinéma, la télévision, on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues il y a 20 ans, commencent à nommer des choses comme la sexualité hors mariage, l'IVG, dans des séries télé grand public. Donc, il y a une révolution qui est en marche. Elle est explosive, elle est difficile, elle ne transformera pas en profondeur la société, mais elle installe tranquillement une place qui soit un peu mieux que la tolérance et que la simple tolérance et un peu peut-être moins que l'équité, l'inclusion à part entière des formes un peu plus transgressives ou subversives, mais je crois qu'elle est là. Merci. Merci beaucoup Rachida. Donc, je vais demander à Sonia de nous donner le point de vue du judaïsme sur la sexualité des femmes. Oui, alors moi, mon angle ne sera pas purement sociologique, mais une articulation entre la loi et la sociologie. Alors, il est difficile de circonscrire en une dizaine de minutes un tel sujet. J'en suis la première responsable puisque j'ai réfléchi à ce timing, mais c'était pour que le temps passé devant Zoom soit un temps acceptable. Moi, je vais articuler mon intervention sur trois axes. La place de la sexualité dans le judaïsme, en soulignant la reconnaissance et l'importance du plaisir de la femme. La notion de pudeur et son instrumentalisation dans certains milieux radicaux. Et enfin, la condamnation de la violence conjugale, si je peux en dire un mot, au nom même d'une éthique juive, mais peut-être que Yolande Cohen le fera. Donc, je l'ai dit, mon propos s'appuiera sur des textes bibliques, talmudiques et la loi juive, et portera sur la norme, celle d'une relation hétérosexuelle dans le cadre du mariage. Mais la valorisation de cette norme dans la loi juive ne signifie pas que le corpus talmudique ignore d'autres réalités. Je rappelle qu'il existe une dimension sociétale importante dans l'appréhension, pour ne pas dire dans l'évolution de la loi juive, y compris au sein du courant orthodoxe, qui, comme vous le savez, n'est qu'un des cinq courants contemporains du judaïsme. Je vais citer comme exemple, par exemple, au Xe ou XIe siècle, l'édit rabbinique, la Takana de Rabbeinu Gershon Meir Agola, qui a interdit la polygamie dans le monde juif, en tout cas dans l'ère ashkénaze, c'est maintenant étendue aussi bien pour les juifs ashkénazes que pour les juifs séfarades. Et même s'il faut toujours rester vigilant, certains radicaux ont tendance à vouloir le réintroduire, ou ce même Meir Agola qui a fait en sorte que la femme ne puisse pas être répudiée facilement et à poser quelques entraves à ce processus, puisque en matière de judaïsme, le mot divorce est un peu abusif, il s'agit d'une répudiation qui est certes balisée, la femme elle-même peut demander à être répudiée, mais l'asymétrie est inhérente dès le départ, même si c'était possible depuis les temps bibliques. Alors, la sexualité n'est pas tabou dans le judaïsme, ni la notion de plaisir. Elle n'est absolument pas reliée à une faute originelle et il s'agit en fait d'une modalité de sanctification de la vie. Plusieurs termes sont utilisés dans la Bible pour signifier la rencontre et la relation sexuelle. Je vais citer peut-être le premier d'entre eux qui est en hébreu « ladahat », ça veut dire « connaître ». Ainsi, dans Genèse chapitre 4, verset 1, on dit que Adam connut Ève, sa femme. Alors, ce terme nous initie d'emblée au fait qu'il ne s'agit pas seulement de la relation sexuelle, de la satisfaction d'un besoin, mais d'une connaissance qui s'acquiert et se déploie dans cette intimité. Si connaître l'autre dans une relation de couple signifie le rencontrer dans son intimité, on peut également dire que cette intimité ne se résume pas à l'acte sexuel. Il s'accompagne de paroles, de complicité, de rire. On le voit d'emblée aussi dans le couple de Isaac et Rebecca dans la Genèse, où on dit qu'ils rient ensemble, qu'ils avaient cette complicité du rire au travers de leur intimité.
D'ailleurs, le Talmud, et j'en profite pour dire que si je ne vais pas toujours citer mes sources, elles seront visibles sur le site lorsque nous mettrons en ligne la vidéo. Le Talmud, en l'occurrence, dans le traité Ketuvot, relève que l'homme, je cite, doit parler avec tendresse et se, à la femme au moment de leur intimité conjugale et se maîtriser afin de lui permettre d'accéder au plaisir. Un conseil aussi est donné à sa femme pour augmenter le désir de l'homme dans l'acte sexuel. C'est une parole de Rabbi Isda sur laquelle je resterai discrète dans le cadre de cette conférence, mais la source est dans le traité Shabbat. Donc, le droit des femmes aux relations sexuelles et son plaisir sont reconnus et valorisés. Dans le judaïsme, le fait d'avoir des relations sexuelles, d'honorer sa femme, on peut dire que c'est le terme qui est employé dans la littérature aussi talmudique, est une obligation qui incombe à l'homme et est même inscrite, tenez-vous bien, dans la ktouba, dans l'acte de mariage, que l'on lit sous le dé nuptial. Dans cet acte de mariage, il est dit que que la femme le sera, cette union se fera selon la loi de Moïse et d'Israël, et l'homme s'engage à travailler, à l'honorer, dans le sens répondre au droit conjugal de la femme, d'avoir des relations, et également l'homme est tenu de la vêtir. La source se trouve en fait dans un verset de l'Exode, au chapitre 21, le verset 10. Dans l'acte Touba, j'en profite pour dire aussi que dans l'acte de mariage, il est dit aussi combien l'homme paiera en cas de répudiation ou de divorce. Je dis ça parce que c'est important, ce n'est pas notre sujet, mais c'est important pour tout ce qu'on appelle l'accord prénuptial auquel les femmes, les jeunes filles ou les jeunes femmes qui se marient devraient avoir ces accords prénuptials puisque les futurs époux s'engagent à accepter le divorce si jamais la compatibilité du couple et la paix dans leur foyer ne se fait pas. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la sexualité est vue du côté du droit de la femme à avoir des relations sexuelles et à faire en sorte que ces relations soient des relations de plaisir. À telle enseigne que si l'homme se soustrait à ce qu'on appelle en hébreu ronata, ce droit conjugal, eh bien, la loi juive n'hésite pas à dire qu'il a transgressé un interdit de la Torah. Le Talmud va jusqu'à discuter de la régularité de ces rapports. C'est un passage dans le traité Ketubot. Pour un étudiant qui est quelqu'un qui étudie la Torah, il ne doit pas s'absenter plus d'un mois sans que sa femme soit d'accord, et vous ne serez pas étonné de voir que dans les discussions qu'ont les sages du Talmud sur la régularité souhaitée des relations sexuelles, eh bien l'ouvrier ça peut être deux fois par semaine, quant au marin c'est une fois tous les six mois, et on peut comprendre pourquoi. Donc en tout cas ce texte vient souligner que toute cette problématique a été réfléchie sous divers aspects et sur le fait que vraiment l'homme doit réjouir et rendre heureux sa femme, et on insiste sur les préliminaires et la parole. Les pratiques sexuelles peuvent être diverses, là non plus je ne rentrerai pas dans les détails, à condition qu'il y ait un consentement mutuel. D'ailleurs, on ne peut pas forcer une femme à avoir un rapport sexuel. Il s'agirait d'un viol et il est remarquable de relever que cette notion est présente dans les textes talmudiques, alors que dans le droit occidental, elle mettra à peu près, ce n'est que très récemment par exemple, que cette notion de viol a été reconnue dans la relation conjugale, dans le droit occidental, en particulier par exemple en France. Mais bon, ça n'est pas uniquement unilatéral, la femme aussi, j'ai déjà mentionné, un aspect de la femme à l'égard de l'homme. Il lui est également demandé d'être attentif à son mari. Et si la femme refuse systématiquement d'avoir de relations sexuelles, eh bien, elle est considérée comme moredette, une rebelle, et ça peut être une source de divorce. Comme le fait que l'incompatibilité peut aussi être l'incompatibilité sexuelle, émotive, affective, peut aussi être une cause de divorce entendable auprès d'un tribunal rabbinique. Une femme peut
aller vers au tribunal et dire, je cite par exemple Maïmonide, 12e, 13e siècle, un des plus grands, l'appelait l'aigle de la synagogue, si la femme déclare, il me répugne, je ne peux entretenir de rapport intime avec lui, on oblige l'époux à divorcer immédiatement. Il faut dire aussi que l'homme peut également répudier sa femme s'il considère que cette compatibilité n'est pas acquise. Maintenant, ça ne se fait pas comme ça. Les rabbins œuvrent toujours pour qu'il y ait shalom bayit, une paix dans les ménages. La sexualité n'est pas liée à la procréation, même si dans le premier verset que j'ai cité, Adam connut Ève, elle conçut Ève et enfanta, parce que d'abord, ce droit conjugal s'exerce tout le temps, même après qu'une femme soit ménopausée, et même si elle ne peut pas avoir d'enfant. Je rappelle, je répondrai à ces questions s'il y en a, que le devoir d'avoir des enfants, c'est une mitzvah, c'est un commandement de la Torah, repose sur l'homme, c'est-à-dire, je m'explique, ça repose sur le couple, c'est-à-dire que si un homme, à la fin de son existence, n'a pas engendré, eh bien, il n'a pas accompli un commandement de la Torah. Tandis que si la femme, elle, n'a pas enfanté, elle sera passée sans doute à côté des joies de la maternité, mais en termes d'accomplissement de commandement, elle n'aura pas failli à un commandement. La stérilité peut être une cause de divorce, elle n'est pas obligatoire. Je ne peux pas terminer ce passage sur la sexualité sans dire que parler de la période des règles qu'on appelle Nida. Donc c'est pas que la femme soit impure, c'est que c'est une période de le temps de ses règles plus 7 jours où elle est Nida, ça veut dire de côté. Donc c'est un moment qu'elle peut prendre aussi comme un moment de ressourcement. Et je me souviendrai toujours de ce que m'avait dit la mère d'une de mes meilleures amies il y a une vingtaine d'années. Je savais qu'elle pratiquait dans sa maison les règles de Nida, donc d'abstention sexuelle pendant cette période-là. Elle me disait, mais tu ne peux pas savoir, ma fille, tu ne peux pas savoir comme mon mari, à la fin de cette période, avant que j'aille au mikvé, au bain rituel, tourne autour de moi, j'ai l'impression de retrouver mon fiancé. Alors, je vais maintenant passer à la partie de la pudeur. Elle est requise pour les hommes ou pour les femmes, même si ce sont des lois qui sont édictées par les hommes, parce que toute la partie aussi, quand je cite le Talmud, même si le Talmud avance le droit conjugal, le fait de devoir donner satisfaction à sa femme, il reste que ce sont des hommes qui parlent de la sexualité, des hommes ou des femmes. Ce faisant, lorsque nous étudions ces textes et nous interpellons, nous mettons de la mixité dans tout ça. Donc, en matière de pudeur, il y a eu une évolution certaine ces derniers temps dont mon ami et confrère Emmanuel Bloch parlait aisément. Je l'avais invité l'année dernière à l'université d'été que nous avions fait à l'UDM, parce qu'il y a une radicalisation peut-être en réponse à une certaine évolution. Je ne justifie pas quand je dis ça, et je pense que ces mouvements de boomerang sont une donnée sociologique, mais ils ne sont pas irréversibles et peuvent avoir des dimensions diverses. Ainsi, on va s'interroger, dans le cadre d'une vie orthodoxe, sur le fait que la femme doit avoir des chemises jusqu'au coude ou jusqu'au poignet, les jupes un peu longues. Il s'agit donc d'une pudeur pour ne pas réveiller d'une pudeur peut-être à l'égard d'elle-même et pour ne pas réveiller le désir de l'autre. Donc on est toujours dans cette dynamique que la femme doit elle-même aussi faire attention et restreindre le désir qu'elle pourrait susciter. Je n'élabore pas sur cette problématique dont on peut retrouver qui a ses limites, bien sûr. Je veux dire, on sait que par exemple dans une parole, dans un viol, il est inadmissible d'entendre que ça peut venir de la femme. La responsabilité de la violence incombe avant tout à celui ou à celle, si c'est le cas, qui l'acte. La question de savoir si la femme... Alors, les cheveux, comme la voix dans le Talmud, je cite ici le traité Brachot et Ketuvot, sont considérés comme ervat, comme un signe de nudité. Donc, la question de savoir, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le Talmud se pose aussi la question, je parlais du désir, mais où commence le désir d'un homme à l'égard d'une femme? Il y a même un rabbin qui dit, rabbin Chéchette, moi, il me suffit de voir le petit doigt d'une femme.
pour... Je vous laisse compléter. Alors, on ne va pas se mettre des burkas. Et c'est, jamais le judaïsme n'a été dans ce sens-là. Donc, le Talmud et la loi juive ont circonscrit ça. Par exemple, en ce qui concerne la voix d'une femme, qui est considérée comme une nudité. Donc, dans la loi strictement orthodoxe, une femme ne chanterait pas a cappella, mais pourrait chanter dans une chorale. Et même au niveau orthodoxe, il y a des évolutions de ce côté-là. Je rappelle que l'orthodoxie n'est qu'un des cinq courants du judaïsme et qu'à l'intérieur de l'orthodoxie, il y a plusieurs sensibilités. Sensibilité ultra-orthodoxe, orthodoxe, moderne orthodoxe, traditionaliste. Donc, c'est aussi à l'usage qu'une loi s'applique, ne s'applique pas ou évolue. Pour les cheveux, là, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'une femme dans le judaïsme orthodoxe ne doit se couvrir les cheveux que lorsqu'elle est mariée ou a été mariée. Alors, soit les cheveux, c'est de la nudité, soit ça ne l'est pas. Là, on pourrait penser en termes dichotomiques. Le Talmud est plus subtil que ça. En fait, c'est lorsque cette femme a consacré sa nudité à quelqu'un, en l'occurrence son époux, qu'à partir de là, cette nudité des cheveux ne serait plus visible que pour son époux. Autrement dit, ce n'est pas le cheveu en tant que tel, la chevelure, aussi belle soit-elle, c'est que cette chevelure devient nudité lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une dédicace qui plus est exclusive, qui demandait une fidélité réciproque. C'est pourquoi vous ne verrez pas le problème du voile ou du fait de cacher ce cheveu chez les jeunes filles, mais uniquement à partir du moment où une femme est mariée, et là aussi il est possible de mettre une perruque. Néanmoins, je l'ai dit, on assiste à une radicalisation, à un effacement, on instrumentalise cette notion de pudeur, de modestie, tsniout en hébreu, ces dernières années, et là on s'aperçoit depuis 30-40 ans, mais c'est un phénomène qui existe depuis le début du XXIe siècle, qu'il y a un effacement des femmes. Ainsi, on va les effacer des photos, aussi bien les femmes juives que non juives, dans les journaux américains et israéliens haredis, c'est-à-dire ultra-orthodoxes, et même on assiste à cette aberration dans des livres d'enfants, par exemple, pour raconter comment se passe le Shabbat, on va voir une image, un dessin, on va voir un père de famille en train de se lever, faire la prière du kiddush de sanctification, c'est deux garçons, puis en face, il y a trois couvercles vides. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe? Où sont passées la mère et les sœurs? Et donc on assiste à une sorte de société homosexuée, au sens uniquement un des sexes qui est représenté, au détriment de la visibilité des femmes. Je renvoie aux travaux d'Emmanuel Bloch et à l'actualité tout simplement. Enfin, je terminerai sur les violences conjugales. L'éthique juive s'oppose à toute violence conjugale. Et ce depuis le Moyen-Âge, et là aussi c'est remarquable, et ça peut être une cause de divorce. Voilà, j'ai essayé dans le temps qui m'était imparti, j'espère ne pas l'avoir dépassé, de vous dire l'essentiel sur sexualité, pudeur et violence conjugale, en ayant précisé que c'est à partir des textes, et que ces textes s'articulent dans une réalité, c'est la manière dont les hommes et les femmes vivent ces textes, pas seulement les rabbins. Une loi, elle se fait parce qu'un cas, une communauté l'accepte ou ne l'accepte pas, se bat pour que les choses évoluent ou ne se bat pas. Par exemple, et c'est ainsi, c'est une synergie entre une communauté d'initiatives d'hommes et des femmes et enfin les leaders, ceux qui peuvent prendre des décisions. En matière, la passivité par exemple, en matière de violence conjugale, si on est témoin de violence conjugale et qu'on n'agit pas pour la dénoncer ou la faire cesser, eh bien, on transgresse un commandement de la Torah qui est de ne pas rester indifférent au son d'autrui. Autrement dit, c'est passé dans le droit occidental, non-assistance aux personnes en danger. Notre responsabilité est donc engagée à chaque étape. Merci. Merci beaucoup, Sonia, et merci d'avoir respecté ton temps de parole scrupuleusement. Donc, on peut maintenant passer au deuxième panel qui s'intitule « Violence contre les femmes ». Quelle réponse de la part des communautés? Et c'est Yolande Cohen, la professeure Yolande Cohen, et d'abord maître Nadia Boumefta, qui nous donnera son analyse. Et également, après ça, Yolande Cohen nous donnera son point de vue. Donc, je vais vous présenter ces deux expertes.
Maître Nadia Boumefta, elle se présente elle-même comme une Marocaine de souche et Canadienne de couche. Alors, arrivée au Canada à l'âge de 2 ans, elle s'engage dès son jeune âge dans la défense de plusieurs causes. Diplômée de l'Université de Sherbrooke et membre du barreau de Montréal, Nada est avocate en droit criminel et pénal et exerce en pratique privée depuis 2016. Alors, Maître Boumefta croit fermement aux droits fondamentaux de la Charte et représente avec cœur et conviction ses clients. Elle est aujourd'hui vice-présidente de la clinique juridique de Saint-Michel et membre du conseil d'administration de la clinique juridique Hoche Légal. Hoche Légal. Elle désire activement participer à un meilleur accès à la justice pour tous et toutes. Donc, Yolande Cohen, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins, en tout cas elle est très connue. Yolande Cohen est professeure titulaire d'histoire contemporaine à l'Université du Québec à Montréal, où elle dirige l'équipe de recherche du groupe Histoire, Femmes, Genre et Migration. Elle a fait sa marque sur la scène montréalaise au sein d'un large réseau d'associations féministes, francophones et anglophones, multiethniques et multiconfessionnelles. Ses travaux portent principalement sur l'histoire des femmes au Québec et au Canada au XXe siècle. Son plus récent ouvrage, publié en 2019, s'intitule « Prostitution, post-féministe en France et au Canada ». Elle analyse dans cet ouvrage le rôle des associations de femmes dans les états dans la démocratisation de nos sociétés. Yolande Cohen est également connue pour ses vastes études sur les Juifs du Maroc durant la période postcoloniale et sur les communautés séfarades et leur migration. Elle a récemment dirigé le recueil d'essais « Les Séfarades du Québec, trajectoire de Juifs nord-africains ». Elle est chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur de France et chevalière de l'Ordre national du Québec. Elle a reçu un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal. Elle est membre de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et présidente sortante de l'Académie des arts, des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada. Je tenais à souligner ces états de service. Alors, à vous mesdames, nous vous écoutons sur le thème des violences contre les femmes. Quelle réponse de la part des communautés? Très bien. D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir. Vraiment, c'est un sujet qui est non seulement très pertinent, très d'actualité, évidemment, mais évidemment quelque chose qu'on espère voir se développer un peu plus, mais qui touche clairement toute communauté, les femmes étant évidemment présentes partout. Et on a eu un beau résumé, je pense, en début de panel. Merci à mesdames. Merci également pour la belle prestation musicale. On a du beau talent, c'est beau à voir et on est ravis de l'entendre, vraiment. Alors, sans plus tarder, je me présente Nada Boumefta. Alors, je suis avocate, effectivement, en droit criminel et pénal et à travers ma pratique privée, j'ai rencontré, évidemment, et pratiqué dans des dossiers de type violence conjugale. C'est le jargon que l'on utilise en droit, c'est-à-dire des dossiers de VC. Tout ce qui implique finalement une victime dans le cadre d'une relation conjugale. Donc, ça peut être une relation, oui, maritale, mais ça peut être aussi une relation de conjoint de fait, etc., qui est couvert donc par le Code criminel canadien. Et il y a évidemment eu tout un ajout, je n'irai pas nécessairement dans les détails juridiques, mais au niveau de la charte de protection des victimes. Alors ça, c'est quelque chose qui a été ajouté par la suite au niveau du droit plus occidental. Au niveau de la common law également, il y a eu beaucoup d'évolutions. Maintenant, les volets que je voulais aborder avec vous ce soir, c'est sûr qu'on axe le tout sur le volet de la sexualité de la femme dans le monde d'aujourd'hui, le monde aussi que l'on connaît où il y a un échange culturel, de la multiculturalité, mais non seulement ça, il y a l'application de lois qui sont communes à tous en fonction du territoire. Donc ici, on parle du territoire canadien, donc c'est le code criminel qui s'applique. Mais on a des gens qui ont chacun leur histoire, leur culture, leur background en bon français. Alors, d'avoir des femmes, oui, issues de communautés musulmanes, berbères, juives, on voit effectivement une distinction et je pense que ça a été très bien décrit par nos panélistes un peu plus tôt quant à la relation avec la sexualité, même la relation de la conjointe et du conjoint, du rôle de chacun dans le couple, mais jusqu'où est-ce que ça va? C'est la question un peu qu'on se pose et qu'on désire peut-être amener la réflexion sur la protection des victimes. Alors,
je voulais vous donner un peu l'historique de la vie d'un dossier en violence conjugale. Essentiellement, le tout débute par la dénonciation. Sonia, tu l'as très bien dit. Essentiellement, et malheureusement, par contre, juste petite correction, on n'a pas cette obligation-là du Samaritain, c'est-à-dire que la personne qui ne dénonce pas ne sera pas tapée du doigt, là, c'est-à-dire ne pourra pas encourir à des accusations criminelles publiques. Mais toutefois, on s'entend que dans la vie humaine et même dans notre culture religieuse, de le dénoncer, c'est important, il faut le faire. On parle de la vie humaine et peut-être même de la santé et la sécurité de quelqu'un. Parlons maintenant de statistiques. Effectivement, ici au Canada, plus spécifiquement au Québec, le quart des infractions criminelles sont des infractions du type de violence conjugale. Donc, c'est très présent comme type d'infraction. Malheureusement, les gens ne dénoncent pas assez. Alors, c'est sûr que quand les gens sont témoins, on vous invite à le faire, à le dénoncer. Il s'agit de protection, évidemment, de victimes. Et n'oublions pas qu'il y a souvent des enfants également impliqués dans tout ça. Alors, il y a tout cet aspect culturel-là de la présence familiale. Et je vais en venir sur mon volet pour clore mon 10 minutes, sur l'aspect familial et également l'implication externe des familles dans un dossier où quelqu'un est accusé de violence conjugale envers son conjoint ou sa conjointe. Alors, ça peut partir d'une plainte, donc de la victime qui va porter plainte à la police. Et je tiens à spécifier que généralement et selon les études, avant que madame, de façon générale, c'est 78% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Alors, permettez-moi tous de parler de façon majoritaire de femmes ici comme étant victimes, mais je ne néglige pas le fait qu'il y a également des hommes qui sont victimes de ce type de violence conjugale-là. Violence conjugale, ça peut aller de la menace, donc que de la parole, la façon dont on s'adresse à son partenaire, et on en a parlé en début de panel sur la relation entre l'homme et la femme, c'est quand même très important. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des extrêmes? Est-ce que chacun a son caractère? Certains ont des problématiques personnelles, par exemple de consommation d'alcool ou des problèmes de jeu ou des problèmes de toxicomanie qui poussent malheureusement les gens à commettre des gestes envers leur conjoint qui sont inacceptables. Je vais revenir également sur l'aspect du consentement qui est très important ici en droit criminel et pénal. Le consentement, premièrement, quand c'est non, c'est non. Ça, c'est définitif, c'est très clair dans la loi, on vient protéger, les juges ont même des formations là-dessus. Le consentement peut changer également en tout temps. Alors, même si madame dit oui au début, l'acte débute, madame, pendant l'acte, désire arrêter, c'est stop. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de souffrir en silence ou se taire et devoir compléter l'acte au complet. Alors ça, c'est très important que, oui, une victime, une plaignante peut d'abord, il ne faut pas oublier, la prescription, là, ça vient de changer au Québec, vient d'être enlevée, c'est-à-dire le délai pour poursuivre, porter plainte, dire « Hey, en passant, j'ai été victime de violence conjugale ou d'agression sexuelle ou d'attouchement. Les victimes ont le droit de parler plus tard. » Alors ça, c'est un autre aspect que je voulais absolument aborder. Maintenant, ce qui est important en droit criminel et au niveau de l'administration de la preuve, c'est évidemment le principe de la présomption d'innocence. Alors, l'individu qui est amené devant la cour, premièrement, avant d'en venir à un appel de police, souvent, il s'agit d'un acte répété de violence conjugale. Ce n'est pas la première fois que cet acte-là a lieu. Madame ou monsieur, dans le cas échéant, décide d'appeler la police pour qu'il y ait une intervention à ce moment-là. Parfois, il y a des témoins oculaires. Parfois, il y a même des vidéos. Parfois, il y a même des photos de lésions corporelles et je vais me passer des détails, mais sachez que ça existe au Québec. Malheureusement, des actes de violence inacceptables et même qui vont et qui ont débuté peut-être même par des actes qui sont sexuels à la base, mais qui créent évidemment des lésions ou qui atteignent finalement le droit du consentement, le droit au niveau du corps de la personne, elle devient finalement victime même de lésions corporelles permanentes. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, dans la construction de notre système criminel et pénal, lorsqu'une victime va porter plainte, c'est la police qui décide d'accuser, donc donne le dossier à un procureur de la couronne qui, lui, est représenté par le DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, et eux, généralement, c'est là où on vit le clash entre le culturel, marocain, musulman, juif, algérien, et la société. Et c'est là où je voulais amener un peu aujourd'hui, ce soir, lors de la conférence, cet aspect de réflexion, d'adaptation du système législatif à des cultures qui ne sont pas
la nôtre ou celle du système mis en place, et surtout dans un système où on voit et on connaît une présence multiculturelle diverse. Alors, ça va de des communautés haïtiennes jusqu'à des communautés musulmanes d'Afrique, jusqu'à des communautés juives d'Afrique, jusqu'à... On est vraiment un mélange assez diversifié. Et on se retrouve avec une loi où on veut tellement protéger les victimes que, par exemple, si la plaignante désire retirer sa plainte en cours de route, parce qu'évidemment, vous comprendrez que la culpabilité de la personne va avoir une conséquence très grave, soit entre autres l'existence d'un casier criminel. Certains même vont avoir des conséquences au niveau de l'immigration. Ces gens-là peuvent même perdre leur statut d'immigrant. C'est une réalité à laquelle les gens font face. Maintenant, les victimes, si jamais elles décident de retirer leur plainte, de ne plus venir témoigner devant la cour, mais qu'il existe une preuve à part entière, souvent, le DPCP va vouloir poursuivre, encourager la plaignante à continuer ses démarches, et le but étant de s'assurer de protéger ces victimes-là. Et un des exemples que je peux vous donner, il y a un jeune homme qui a été arrêté à peu près 2-3 ans, ça a fait même les manchettes et tout, a été remis en liberté et est allé finalement, malheureusement, enlever la vie à la jeune fille à qui il faisait subir la violence conjugale. Alors, dans cette optique de protection-là, vient l'installation aussi et la protection de la victime en imposant, entre autres, des conditions de remise en liberté. Alors ça, c'est vraiment important parce que quand on a une famille, exemple musulmane, qui est ici, ou juive, et qu'on parle, entre autres, de statut social, de famille, d'unité, de mariage, de contrat, d'obligation maritale, quand on va porter plainte, c'est sûr que ça vient brimer ça. Souvent, il y a des appels téléphoniques, la famille va s'impliquer. Il y a une barrière linguistique également à laquelle on peut faire face, une barrière culturelle également. Et je le vis même avec les gens que je rencontre ou que je vais défendre, que ce soit des victimes de violences conjugales ou des gens qui sont accusés de violences conjugales, la barrière linguistique est réelle, mais culturelle également. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas amener mon mari à plaider coupable. Qu'est-ce que ma famille va dire? Souvent, ça peut même aller jusque-là. Cette projection-là que la victime va se faire par rapport à ce que les autres vont dire, le regard d'autrui. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très présent au niveau de la culture et qui fait en sorte que la décision d'abord et le courage de prendre le téléphone et d'appeler la police va prendre parfois tout le petit change que la personne a en elle, excusez l'expression, mais c'est essentiellement ça. Et à l'inverse aussi, créer peut-être une marginalisation de la population. Mais l'idée étant d'agencer un peu le système juridique à cette réalité culturelle-là. Et je pourrais vous faire, à tous et à toutes, une analogie très claire avec les communautés autochtones d'ici. On voit et on vit un clash avec ces communautés-là. Alors, imaginez-vous avec des immigrants, nous sommes des gens d'ailleurs venus ici, qui viennent avec notre culture. Et là, après ça, la façon dont on gère les conflits revient à chacun. Mais n'oublions pas que dans la religion, entre autres musulmane, et même juive, on appelle souvent le couple à se parler, à avoir la médiation entre eux, à tenter de trouver une solution entre eux avant d'aller à l'extérieur, avant d'aller demander même à la cour. La notion juridique dans nos cultures est un peu floue même. On n'a pas ce réflexe-là d'appeler quelque chose d'institutionnel pour venir régler un problème. Alors, il y a comme toute cette image-là et perception de la femme du système juridique, de la femme dans ce système juridique-là, mais également ses droits en tant que victime. Sachez également qu'il existe des ressources qui peuvent aider les victimes de violences conjugales, entre autres le CAVAC qui est mis en place par le DPCP, avec des intervenants sociaux qui viennent essayer de supporter, d'aider, de comprendre la situation de la victime qui est devant eux. Et ça, j'aimerais bien vous entendre, surtout au niveau des panélistes, mais si vous avez des questions également, sur cet agencement-là entre comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une victime de violence conjugale, peu importe son background, mais en même temps en tenant compte de son background religieux et de l'importance également de ce contrat marital-là et conjugal qui existe, de respecter ses droits également en tant que victime. Alors ça, c'est très, très, très important et c'est un peu le point de vue que je désirais apporter ce soir à la conversation. Je ne sais pas si j'en suis à combien de temps, mais j'arrive avant. Je pense que vous avez, Mélania, vous avez épuisé votre temps parole, mais ça nous donne une bonne transition pour demander à Isabelle de nous parler des associations, puisqu'elle en traite dans son livre et de leur rôle dans cette médiation dans le cas de violence conjugale ou de violence contre les femmes. Yolande?
Merci beaucoup aux organisatrices de nous avoir invitées. Je trouve les panélistes qui nous ont précédés et qui m'ont précédée, vraiment, c'est très intéressant parce qu'on voit bien les difficultés qu'il y a à concilier culture, société, rapport de pouvoir et religion. Et le corps des femmes, sans doute, est peut-être un des derniers lieux de domination masculine, pour le dire rapidement, et à partir duquel, précisément, à la fois les textes religieux ont tenté de redéfinir ou de baliser. On sait combien dans la religion juive on est soucieux du détail, et ces détails, Sonia l'a bien montré, peuvent aller très loin. Mais c'est très intéressant de débattre d'une question qui me semble pas assez débattue et souvent ignorée. Alors moi, ce que j'aimerais, dans le petit temps que j'ai, je voudrais souligner deux choses. La première, je viens d'en parler, le corps des femmes est vraiment un sujet qui ressurgit et qui a ressurgi dernièrement à l'occasion du mouvement MeToo, mais qui a été très longtemps, on l'ignore et on l'oublie, au cœur des mobilisations féministes contemporaines depuis la fin du XIXe siècle. Le pouvoir des hommes, qui s'est exercé d'abord dans l'intimité et dans le privé, va prendre vraiment le corps des femmes comme étant le lieu de la domination masculine. Le contrôle de ces corps est vraiment un élément très très important, et dans le livre que j'ai consacré à la question de la prostitution et de la traite des femmes, je me suis rendu compte vraiment à quel point dans les années 1900 les féministes de cette époque vont vraiment mettre au cœur de leurs revendications cette question de la morale sexuelle, qu'elles considéraient comme étant une morale asymétrique, parce que en effet elle était une morale qui avantageait les hommes au détriment des femmes, et donc elles vont s'emparer elles-mêmes, qui n'étaient pas des prostituées, parce que la plupart d'entre elles c'étaient des associations philanthropiques de femmes bourgeoises, appelons-les rapidement comme ça, qui vont s'intéresser précisément à la question de la sexualité, parce qu'elles voyaient très bien à quel point cette sexualité, la morale dominante, était une morale qui discriminait et qui donnait, par exemple, on poursuivait les femmes prostituées plutôt que les hommes qui utilisaient, qui faisaient commerce de cette sexualité. Et ça a été pendant très longtemps une revendication très importante, sur laquelle d'ailleurs les féminismes se sont beaucoup divisés. Donc, à quel point cette question est importante, je crois que le mouvement MeToo l'a remise vraiment aux avant-postes de la question d'émancipation des femmes, et alors qu'on croyait qu'avec l'égalité des droits, avec la reconnaissance du travail des femmes, avec la reconnaissance de l'égalité des femmes dans beaucoup de domaines et dans presque toutes les sphères, eh bien, on avait réussi justement à diminuer cette domination. Or, on le voit, elle est relativement, je ne dirais pas intacte, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui ont réussi à obtenir justement que les violences soient criminalisées et que l'ensemble de ces actions soient justement condamnées. Alors, ça reste néanmoins un élément qui est un élément qui est resté fondamentalement non résolu et sur lesquels les femmes se mobilisent aujourd'hui avec raison. Et Rachida disait tout à l'heure à quel point cette révolution sexuelle est un élément extrêmement important des mouvements sociaux qui ont lieu au Maroc et dans d'autres pays. Le deuxième élément que je voulais souligner, c'est vraiment la question de cette colonisation des corps dont on souffre encore aujourd'hui,
et qui n'est pas partagée par la plupart des organisations de la communauté. Alors, un constat me semble très éloquent. J'ai regardé encore attentivement les informations tirées du recensement national de 2011, commandité par la Fédération CJA et réalisé par Charles Chahar depuis des années, ainsi que les résultats de la méga-enquête réalisée par Brim et Shore sur quasiment tous les aspects de la vie juive au Canada. Un livre va sortir là-dessus, mais ils ont déjà sorti les principaux résultats de l'enquête. Ils ont pris à la fois les recensements, mais aussi ils ont fait leur propre sondage auprès d'un échantillon représentatif des communautés juives canadiennes et qui identifie de façon très très précise les paramètres principaux de la population juive et ses principales caractéristiques. Et je n'ai absolument rien trouvé sur la question des violences sexuelles, qu'elles soient conjugales ou sexuelles ou ailleurs. Et certainement non plus rien sur les sexualités ou les préférences sexuelles de la population juive au Canada. On est en 2011, ça c'est le recensement, on est en 2020, et les questions qui sont des questions sociales et politiques extrêmement importantes ne figurent pas dans les éléments qui donnent les éléments de base d'élaboration des politiques communautaires au Canada. C'est une véritable honte que ces questions ne soient pas documentées et traitées comme un problème sur lequel nous devons avoir des données probantes pour pouvoir agir. 50 ans de féminisme n'ont pas réussi à changer des pratiques vraiment d'un autre âge concernant le rapport que nous entretenons avec nos corps, avec nos sexualités, qui sont encore vraiment des tabous de la recherche, qui ne semblent pas être levés et engendrent vraiment souffrance et méconnaissance et ignorance. Alors, dans ce tableau assez sombre, il y a quand même des organismes qui s'occupent des violences conjugales, comme l'Auberge Shalom pour les femmes, qui a été justement créée par une des associations que j'aime beaucoup et que j'ai commencé à étudier, et qui est le Conseil national des femmes juives du Canada, dont l'origine remonte au début du XXe siècle. Mais l'Auberge Shalom a été créée en janvier 1989, la section de Montréal, pour répondre justement aux questions d'une violence conjugale au sein de la communauté. Alors, c'est une association remarquable, cette Auberge Shalom, parce qu'elle peut faire avec des moyens extrêmement misérables. Elle parvient à traiter, alors j'espère qu'elle continue, parce que les seuls documents que j'ai trouvés, c'est le rapport d'activité de l'année 2015-2016, dernière date pour laquelle on affiche des données. Alors, les informations, il y en a pour 60 pages, je ne vais pas les résumer. Je vous dis simplement qu'au cours de la dernière année, 1095 femmes et enfants ont utilisé les services du centre. La ligne d'urgence 24 heures sur 24 a reçu 528 appels. La maison d'hébergement a accueilli 67 femmes et 43 enfants. Et le bureau de consultation et de ressources, 106 femmes et 23 enfants. Bref, les informations sur ces femmes ne sont pas très explicites et pour cause. Enfin, il y a beaucoup de confidentialités qui sont liées, bien sûr, on le comprend, à ce rapport. Mais les données sur leur statut, 40 femmes, c'est-à-dire 60%, étaient des citoyennes canadiennes, incluant 4 femmes autochtones. 36% étaient des immigrantes reçues, parrainées en attente de parrainage, réfugiées ou sans statut, et pour les autres, pas de données. Mais pour les pays d'origine, 36 étaient nées hors du Canada, venant de 27 pays différents, 42% d'entre elles parlaient français, 37 anglophones, 4 hispanophones et 15% parlaient d'autres langues. Donc, on voit que ces chiffres, c'est vraiment la pointe émergée de l'iceberg, on le sait, car pour une personne qui ose consulter, et notre amie avocate pourra le dire, ose poursuivre, il y en a peut-être, c'est le calcul à peu près qui est fait, une dizaine qui pense que ça ne sert à rien. Et donc, on peut dire que ces chiffres sont extrêmement bas. Toutefois, les femmes qui ont recours à cette organisation vont trouver un lieu pour défendre leurs droits. Et comme le disait Sonia tout à l'heure,
C'est un droit qui est reconnu à la fois dans la religion juive, mais aussi par les organisations et par la communauté et les institutions juives. C'est un espace d'écoute et d'accompagnement, et enfin, elles peuvent espérer peut-être avoir quelques changements. Tout ce travail, j'ai cherché en vain un nom, une personne à remercier, quelqu'un à citer pour dire que le travail qu'elle faisait est extraordinaire, mais comme tout le travail des femmes est invisible et bénévole, eh ben, ce travail dans cette auberge est fait par des bénévoles, quelques travailleuses sociales professionnelles, et on peut vraiment, je dois dire, on a juste à les féliciter pour le travail extraordinaire qu'elles font dans l'anonymat et l'abnégation la plus complète. Alors, pour conclure, je dirais que on le voit, on a des ressources, peu, on a des moyens de se défendre, on a des droits, hein, notre ami vient de nous en parler, mais la question de la pratique est une question qui est entière, qui reste entière. La question des rapports entre hommes et femmes reste une question extrêmement complexe, et la question des rapports de violence entre les hommes et les femmes reste une question qui est loin, loin, loin d'être réglée. Alors, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Yolande, pour cet exposé tout à fait édifiant. Et maintenant, je ne sais pas, Sonia, est-ce que tu veux prendre la parole ou est-ce qu'on passe directement à l'intermède musical? Alors, si on veut rester dans les temps, ça serait le moment de conclure. Moi, par quelques mots, et puis effectivement terminer en écoutant la magnifique voix de Férouz. Oui. Si on décide de prendre quelques minutes, on peut peut-être prendre une ou deux questions du public, mais il faut que le public sache qu'à ce moment-là, on ne s'arrêtera pas à 9h, mais à 9h10 ou 9h15. Et que nos panélistes soient d'accord, évidemment. Donc, si vous êtes d'accord. Oui. Alors, essayons, Yolande, s'il y a une ou deux questions du public, pas plus que ça, et sinon on conclura. Alors, le problème, c'est que je pense que, comme Jadis l'a dit, il faut lever la main virtuellement, c'est-à-dire qu'il y a une fonction qui permet de lever la main virtuellement. Et je ne sais pas si Janice est toujours avec nous. Oui, Janice est avec nous. Oui, oui, je suis là. Est-ce que tu vois des mains levées, Janice? Oui, moi j'en vois. Il y a des mains physiquement levées. Ah, physique, d'accord. Alors, ok. Soraya, c'est pas le problème. On passera à travers chacun et chacune. Je commencerai avec ceux que je vois. Sur ma liste qui ont levé la main, donc on commencera avec et je m'excuse si j'arrive pas à dire votre nom. Pardonnez. alors, on commencera avec Mouloud Awaz. Pour les questions, n'est-ce pas, parce que. Oui. Mais merci beaucoup pour les panélistes et pour le sujet de discuter. Moi, ma question peut-être est pour le professeur Yolande Cohen. Bonsoir Yolande. J'aimerais bien avoir votre expertise aussi, pareil pour Rachida Zouz et pour l'avocate aussi. Si on comparait la violence faite aux femmes au Québec, québécoise et canadienne, quelle serait l'expérience d'après vous? Merci. Désolée, je n'ai pas les chiffres. C'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts et je n'ai pas les chiffres. Je suis désolée, je ne peux pas vous répondre à cette question. Alors, passons à une autre question. Nada, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? La seule chose que je peux peut-être mentionner, moi non plus, je n'ai pas les statistiques et les chiffres exacts, mais ce que je peux dire, c'est que c'est la même loi qui est applicable au Québec qu'au Canada, puisque c'est le code criminel qui est applicable et c'est sur le territoire canadien dans son ensemble. Donc, toutes les accusations ou les sujets sur lesquels les victimes peuvent porter plainte
Normalement, c'est partout à travers le Canada. Maintenant, est-ce qu'il y a démographiquement une différence par rapport, exemple, francophone, anglophone, etc.? Possiblement, mais je ne m'avancerai pas plus dans ma réponse. Merci, Nada. Est-ce que... On passera à la prochaine question. Donc, oui. Monsieur Jean-Claude Lasserie. Alors, ma question s'adresse à Rachida et à Nada. Quand on envisage l'évolution de la religion chrétienne au cours de ces 200 dernières années, quand on envisage une évolution semblable dans la religion juive, est-ce que l'on peut s'attendre dans une centaine d'années à une évolution semblable dans la religion musulmane? Et répondre. D'une part, bonjour Jean-Claude, ça va bien? Alors, je pense que ça dépend de quel point de vue on l'aborde, du point de vue sociétal ou du point de vue religieux. Parce que du point de vue religieux, je pense que, à moins que je me trompe, je ne pense pas que le Vatican ait encore accepté l'IVG ou le divorce. Donc, pour l'instant, en matière de droits des femmes, je pense que Yolande a bien raison, les trois monothéismes se valent encore bien. Je ne pense pas encore que l'Église catholique ou que dans le judaïsme, on accepte la sexualité hors mariage, les sexualités dites alternatives qu'aujourd'hui, qui deviennent aujourd'hui des sexualités, parce qu'avec les frontières de genre qui se brouillent avec l'arrivée des transgenres, des non-binaires, etc., je pense qu'on est rendu très loin au Canada. Donc, si on le prend du point de vue religieux, je pense qu'on est tous dans la même galère. Je pense que c'est un peu comme ça que j'ai commencé mon exposé tout à l'heure. Si c'est du point de vue sociétal, en effet, il y a un enjeu. Il y a un enjeu dans le monde arabo-musulman, je dis bien arabo-musulman, parce qu'il y a beaucoup de traditions là-dedans, il y a de la religion. La révolution sexuelle est en cours. La révolution sexuelle est en cours. Elle n'a pas eu lieu en 1975, elle n'a pas eu lieu, on n'a pas eu l'année des nanas. Il y a une révolution, mais comme je le mentionnais, c'est pas... Elle n'est pas frontale et elle n'est pas radicale. Elle commence étonnamment avec justement des minorités sexuelles qui réclament le droit de ne plus être tolérées. Et je pense que là-dessus, le fait de voir ce qui se passe dans le monde, ça les alimente. Mais je pense que du point de vue sociétal, effectivement, les pays du Maghreb et du Moyen-Orient sont en train de vivre leur révolution, et on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les réseaux sociaux. Si je peux me permettre de relancer avec la mention de Yolande, bien évidemment. Oui, bien sûr. Très bien, très bien. Bien sûr, oui, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je viens de Yolande. Ah, mais vous êtes notre modératrice, alors je vais suivre. Très bien. Alors, d'abord, merci beaucoup, Monsieur Lasserie, pour votre question. C'est très pertinent et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous faire tous et toutes réfléchir ce soir en quittant la conférence. Au niveau juridique, ce que je peux vous mentionner, par contre, c'est que au niveau de la religion chrétienne et cette vision-là, il ne faut pas oublier d'abord qu'au Québec, on est quand même une société très jeune. On n'est pas vieux comme en Europe, par exemple, ou en Afrique. Et ici, au Québec, on suit entre autres le Code civil du Québec. Et là-dedans, il y a eu des choses qui ont été codifiées, qui sont des traces quand même du christianisme. Alors, au niveau du mariage, au niveau de la façon dont on traite les divorces, dont on traite les enfants. Il y a même un article dans le Code civil qui mentionne le droit aux parents du respect de la part des enfants. Alors, on va quand même loin là, dans un écrit civil. Et ici, c'est ce qu'on suit au Québec. Et ça, c'est tout au niveau des relations familiales, mariage, religieux, non religieux, les droits de chacun. Et je vous dirais qu'au niveau du Québec, le droit a quand même évolué. Ça a pris du temps. Mais il y a quand même eu des causes qui ont été amenées devant les cours civiles au niveau, par exemple, des conjoints de fait. Alors ça, c'est un nouveau concept au niveau juridique qui commence à se développer au niveau chrétien, mais qui est très
québécois, là. C'est né ici, ce concept-là de pouvoir vivre avec quelqu'un, de partager des biens, par exemple, d'avoir des enfants et de pouvoir vivre une relation sans qu'il y ait de mariage en tant que tel ou de conditions, finalement, culturelles ou même écrites. Alors, même au niveau du contrat, il n'y a même plus cette obligation-là. On va y aller au niveau des faits. Factuellement, la relation des deux individus, qu'est-ce qu'elle nous dit? Maintenant, au niveau criminel, j'aimerais quand même mentionner, et je fais là un appel un peu de façon générale de nos deux religions dont on parle ce soir, soit l'islam et le judaïsme, à l'effet que, par exemple, quand on regarde la charia et qu'il y a des codes, exemple, je peux prendre l'exemple de mon propre pays, au Maroc, où on suit, entre autres, ce que la charia dicte. Alors, c'est quand même assez paradoxal quand tu lis le code criminel marocain et que tu regardes au niveau des droits des femmes, l'avancement qu'on a et qu'on vit, comme l'a très bien dit Rachida, il y a des choses qui demeurent quand même contradictoires et que le juridique, le politique va devoir changer. Il faut le faire ouvertement, il faut changer les écrits noir sur blanc. Parce que quand je lis un code criminel, par exemple, et au Canada, ça a changé quant à la prostitution, pas que ça la rend légale, mais on fait moins rentrer des filles en dedans parce qu'elles se prostituent, justement. Alors, il y a toute une conceptualisation du corps. Exactement. Il y a eu la décriminalisation, bien dit, merci, de ce qui a été fait. Alors, on voit un avancement, une évolution au niveau du droit, clairement, canadien, criminel. Maintenant, à l'extérieur, au niveau international, je pense qu'on a des grandes questions à se poser et de l'écrit à devoir changer. Yolande, je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre d'autres questions. Je m'en excuse auprès des autres panélistes, mais il faut qu'on reste quand même dans notre timing. Et je voudrais qu'on ait encore la possibilité d'entendre Férouz. Oui, alors, effectivement. Il m'incombe de dire le mot de la fin. Je serai brève. J'ai trouvé ce moment de partage passionnant. Je crois que nous l'avons abordé dans cette formule Zoom, qui est finalement assez conviviale aussi. Nous avons essayé de briser cette invisibilité ou ces paroles qui s'entendent si peu, et ce, dans un esprit de dialogue. Alors vraiment, je remercie très chaleureusement Rachida, Nada, Yolande Cohen, Yolande Amzalag, et vous tous et vous toutes qui étaient avec nous. Janice, vraiment merci beaucoup d'avoir été là. Je me suis sentie extrêmement rassurée. Et puis Raphaël également, qu'on a entendu au tout début. Alors, Férouz, est-ce que tu es avec nous? Férouz? Est-ce que Janice, tu vois Férouz? Elle est là. Férouz, si tu es avec nous, vraiment, je crois que tu as encore une ou deux chansons à nous interpréter. Oui, Férouz va nous interpréter une chanson ladino, une chanson traditionnelle ladino, et également un chant populaire de Salim Alali. Alors, je voudrais signaler au passage que Férouz compte enregistrer ses chants dans son prochain album, dont la parution est prévue à l'automne prochain. Alors, ne manquez pas l'album de Férouz à la rentrée. Et si vous permettez, vous, sur une mute pour pas... À toi, Férouz. Je voudrais remercier tous les panélistes et les organisateurs pour cette conférence très intéressante. Vous m'entendez? On n'entend pas très bien. Alors, je voudrais remercier tous les panélistes et les organisateurs pour cette conférence très intéressante. Et on clôture avec deux chants merveilleux. Le premier est La Rosa Inflorece, que j'ai aimé dès la première fois et que j'adore interpréter. Et elle sera suivie d'une chanson de Salim Alali, Ashiq Tifl Andalusia, qui décrit magnifiquement la beauté de l'être aimé. La rosa florece en el mes de mayo, mi alma se esclarece, su
M'espresso venta l'onda, m'espresso venta me, m'espresso tu mi almo, che io me vo morir. M'espresso tu mi almo, che io me vo morir. A chaque fleur de l'océan, rire chevauche mourir. A chaque fleur de l'océan, rire chevauche mourir. À chaque touffle de l'océan, sourire à chaque mourir. À chaque touffle de l'océan, sourire à chaque mourir. Il m'a fallu d'un casier, la île rouge m'a grondé. شوفتها تسحر في الحين تخلي العاشق في بلية عاشق طفلة اندلسية صغيرة شباخة مرية عاشق طفلة اندلسية صغيرة شباخة مرية العين الكحلة تبكي وشعرها طويل مخبل ما عرفت كيفاش نمثل سبحان الخالق مولاي عاشق طفلة اندلسية صغيرة شباخة مرية عاشق طفلة اندلسية صغيرة شباخة مرية سيب السر الدب عليهم الروح فنان انك بنتي انك وين يا عاشق ما تلومش عليا عاشق طفلة اندلسية صغيرة شباخة مرية عاشق طفلة اندلسية صغيرة شباخة مرية عاشق طفلة اندلسية صغيرة شباخة مرية برافو فيروز. Si quelqu'un sait faire un youyou, c'est maintenant. Hein? Magnifique, Rose, magnifique. Bravo, magnifique. Vraiment. Bravo. La joie de l'émotion. Bravo. Magnifique, Férouse. Bravo. Bravo, bravo notre diva, bravo. Bon, ben on a même... Magnifique. On a même de la difficulté à se quitter. À se quitter. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toutes les intervenantes. Merci de l'organisation. Merci. Oui, merci beaucoup de l'organisation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye. Merci. À bientôt, Nada. À bientôt. Bye. Merci tout le monde.